Christian Escoudé à la guitare, Michel Zellino à la contrebasse. Ça commence. Bonne soirée à tous sur TSF Jazz, c'est Jazz Live. Thank you.
David Copperan, vous qui êtes guitariste, vous avez apprécié bien sûr. Je n'ai pas reconnu, je crois que j'ai reconnu quelques citations d'Harlem Nocturne. Mais exactement ça. Michel Zanino à la contrebasse et Christian Escoudé. Thank you.
On a entendu, David Capéran, on a entendu une grande partie de ce standard indétrônable, Embraceable You. Embraceable You de Gershwin, bien sûr. On connaît la version notamment de Django et Stéphane Grappelli avec le tempo doublé. Là, la régularité du tempo était assez incroyable. Christian Escoudé, Michel Zénino, en ouverture de cette soirée à deux, c'est mieux, au festival Avoria Jazz Up. Thank you.
Jazz-up à Voria, donc Christian Escudé et Michel Zinio à la contrebasse. Ce morceau Blues for Ike, une génération de nouveaux musiciens de jazz manouche. Ne me soufflez pas, mais je connais ça. Vous aussi, chers auditeurs. Thank you.
Ça serait un nuage que ça ne donnerait qu'à moitié, interprété donc en direct du festival par Michel Zignino et Christian Escoudé. Voilà, donc encore un grand merci à Christian Escoudé, je vous demande d'applaudir son corps. Et voilà, donc pour terminer, Django. À la guitare, donc, Christian Escoudé, qui a été le leader du trio Gitan il y a quelques années, et dont le dernier album est un hommage à Georges Brassens, que l'on vous conseille. Mais ici, c'est Django, signé John Lewis. Thank you.
Effectivement, cette soirée, ce début de soirée est placé sous le signe de Bravo Renard, puisque avec cette dernière prestation, c'était le fameux thème du MVQ, le Madras Quartet, composé par Jean-Maurice, c'est-à-dire, en tout cas, tout simplement, Django.
je crois apparemment que la lumière